En 2022, la taxe d'apprentissage a permis la création de deux plateformes collaboratives à destination des chercheurs, des étudiants et des entreprises. La première plateforme permet de travailler sur la logistique du futur. La deuxième est orientée caractérisation des matériaux. En parallèle, l'équipe de recherche s'est étoffée avec l'arrivée de deux nouveaux doctorants. En 2023, avec votre soutien, nous souhaitons ouvrir une deuxième section d'école de production sur les métiers de l'électricité. Cela permettra à terme de former 25 jeunes par an.